Ben, bonjour à vous tous. Bonjour à tous, à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, voilà. Ça, c'est pas la définition, c'est juste le modèle qui a été fait. Donc voilà. Voilà le modèle qui a été fait. Donc, version XL. Maintenant, je vais vous faire présenter les articles. Voilà, c'est un t-shirt féminin pour femmes avec Digitony 78 aussi. Alors c'est normal, c'est un peu voilà, c'est un peu embêtant parce que voilà, c'est, vous voyez comme ils l'ont mis, ils l'ont pas mis comme il fallait. Bon, c'est pas grave, hein. Digitony 78, ils en ont mis un qui était bien, c'était celui-ci. Vous voyez, là, celui-là par contre il est très bien, ils l'ont bien mis. C'est ça qui me fait rigoler. Et pareil, Digitony 78, ça va être fou, voilà. Alors, j'ai fait que de la taille XL, voilà. Hein, j'ai pris la taille XL, donc ça, les t-shirts, je les vendrai avec une petite perte d'argent, donc à 15 euros l'unité. Pour femmes, bien sûr, attention, c'est que du XL. Si vous voulez la taille As, la taille ML, et ben vous pouvez me le demander. Par contre, payable d'avance pour qu'on puisse faire le nécessaire convenablement. Ah, d'accord, donc bien sûr, en comptant les frais d'envoi qui est de 5 euros. Voilà, là ça fait déjà deux t-shirts. Ça, c'est les pulls. Alors, ça, c'est la définition totale. En XL, voilà, en XL, c'est la définition, c'est marqué soirée fou, vous voyez, hein, c'est marqué soirée fou, et c'est marqué Digitony 78. Voilà, ça c'est vraiment l'emblème. Les pulls restent à 40 euros, ils bougeront pas, tout simplement. Par contre, quand sera les soldes, je vous le dirai, les soldes, ils seront, si tout va bien, seront à 30 euros, hein, voilà, c'est le truc. Hein. Voilà, ça aussi. Un deuxième pull, donc c'est la définition officielle, hein. C'est vraiment la définition officielle de Digitony 78. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'est quoi ça? Ça c'est leur plastique là. Voilà, donc ça va être fou, etc. Là j'en ai pris deux. Je crois qu'il y a une version, si je dis pas de conneries, une version XL, une version XXL, donc le mien c'est XXL, voilà, ça y est, ça me revient. Les miens c'est XXL, j'en ai deux XXL. Bien sûr, c'est pas ma taille officielle, moi c'est du XL. Dans les manteaux, je suis obligé de prendre du XXL pour être tranquille, pour pas me serrer. Donc voilà. Donc voilà mes articles que j'ai fait, alors pour information, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, comment j'ai fait, eh ben je vous expliquais tout simplement. C'est que tout simple. Hop, voilà. Donc c'est tout simple, maintenant je m'assois, hein, c'est plus simple. Voilà. Me voilà. Donc je vous explique en gros. Voilà. Je m'explique pour que vous compreniez. C'est que tout simplement. Le graphisme, moi je n'ai pas fait le graphisme, alors ça vient pas de moi, hein, c'est mon ami Alex qui m'a posé la question, maintenant je vais répondre. Pour le graphisme du dessin, j'étais sur le moteur de recherche de Vistaprint, j'ai tapé un mot-clé tout simplement pour que puisse savoir ce que je voulais, et j'ai trouvé mon clé, le mot-clé. Alors avec le mot-clé, à partir de là, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est comme DJ Nono, c'est pareil, là, on n'a pas pris le graphisme à nous-mêmes. Après, pour information, oui, bientôt, c'est moi qui va faire les graphismes à moi. Le système, il sera pareil. On va peut-être même coucher un peu. Voilà, on va faire un peu le même truc. Mais je vais pas le faire dans les médias, parce qu'il faut que j'ai la copie conforme du dessin pour que je puisse faire la même chose, exactement la même chose, de faire le graphisme un peu plus, voilà, par exemple les dessins, le dessin il sera un peu, pour que ce soit vraiment, on va voir vraiment un vinyle,
Là, ça se voit tout de suite que c'est un vinyle, mais je ferai encore mieux pour dire que c'est un vrai vinyle. Vous voyez, par exemple, au lieu de noir, je vais mettre autre chose. Voilà, on verra, les dessins, tout ça, ça va se faire tout doucement. Et donc, voilà. Alors, pour les tarifs, je les mettrai en bas description. Hein, sera marqué les tarifs, tout ça. Les t-shirts femmes comme hommes, ils sont à 15 euros. J'aurai une perte d'argent, mais c'est comme ça. Vous savez, parce que vous savez très bien, c'est que c'est logiquement, c'est comme ça. Et voilà. Donc, on va faire. Et tout ça, ça se fait tout doucement. Et tout ça, c'est tout ça. Alors, pour les commandes, bah, vous allez, je vais la répéter encore une autre fois, vous allez sur ma page Facebook Digitonis78 ou mon groupe. Voilà, vous pouvez aller sur les deux. Si je ne vous réponds pas sur la page de Facebook de Digitonis78, si je peux pas la contrôler directement avec mon Xperia, je suis obligé de prendre avec mon Huawei. Donc, j'aurais regardé tout à l'heure les messages, il y a des messages intéressants, tout ça, parce que, voilà, le truc, c'est que moi, j'ai une méfiance à propos de certaines personnes qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, déjà. Donc, voilà. Alors, précisez bien dans votre message que c'est pour quelque chose, mais attention, pour les risques d'identité bancaire, tout ça, là, je ne donnerai pas immédiatement. Je vous explique pourquoi, c'est que tout simplement, je n'ai pas envie qu'on me fasse des coups de barre. Donc, moi, ce que je vous conseille, voilà, à ceux-là qui veulent vraiment avoir le pull ou le t-shirt masculin, parce qu'il faut bien préciser masculin, hein, faut bien préciser pour vous, vous voulez la taille, faut me le préciser, et moi de mon côté, dès que j'ai l'argent, je commence à faire mon travail, c'est le but du jeu, je fais mon travail, par contre, attendez-vous qu'au temps qu'on fabrique quelque chose, bah, le temps que j'envoie ça, l'information à Vistaprint, c'est aux Pays-Bas que ça se fait, ce n'est pas en France, donc voilà, on a une durée un peu plus longue que prévu. Donc, je vous préviens d'avance. Comme ça, si moi, je fais, ou sinon, vous pouvez aller sur eBay. Voilà, vous pouvez aller sur eBay. Vous tapez Anthony, avec deux I, Anthony Manuel Moreira Lorenzo. Je ne sais pas pourquoi il a dit Anthony avec deux I, mais bon, je voulais marquer Antonio, mais bon, il a marqué Anthony. Impossible de modifier, parce que... vous pouvez commander, et par contre là il y aura des petits trucs, il n'y aura pas les photos, j'ai mis juste ma photo de mon pull, mais vous n'inquiétez pas, de mon ancien pull, mais vous n'inquiétez pas, je ne vous envoie pas le pull qui est en photo. Pourquoi? Parce que c'est un modèle d'essai. Celui-ci, c'est un modèle d'essai, je ne peux pas vous le donner non plus. Moi, je veux vous donner la définition officielle. La définition officielle, je ferai des photos quand j'aurai cette année mon appareil photo avant de tout ça. Parce que, pour vous dire, je vous informe que je pars bientôt en voyage. Donc, voilà. Je vous donne l'information, je pars en voyage avec mon épouse. Qui est un peu emmerdeuse, mais c'est pas grave. Elle est emmerdeuse. Hein. Je pars en voyage et les jours que je serai en voyage, toutes commandes seront complètement retardées, mais vous inquiétez pas, je vais faire un essai, je vais faire un grand effort d'apporter l'ordinateur de mon épouse pour que je puisse faire les choses. Voilà. Tout simplement pour faire comme ça, et au moins vous aurez votre commande. Dans les mois qui vont venir, parce que c'est comme ça que ça a marché. Mettons, parce que moi je reste un mois, voilà, je reste un mois complet en vacances. Donc, je vous informe que c'est au mois de juillet que je pars, entre mois de juin, moi je pense que c'est au mois de juin, mais bon, je vais faire une date de cheval, donc entre juin et juillet. Donc, je reviendrai au mois de juillet. Je ne veux pas rester très longtemps, je reste pas très longtemps là-bas, je reste un mois, c'est tout. Et mon épouse, elle va rester, je crois, deux, trois mois, et après, elle partira au village, elle fait ce qu'elle veut, elle. Et que moi, voilà, je suis venu, ça fait longtemps que je n'ai pas été en Côte d'Ivoire, ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas allé, voilà, il faut vous dire, 10 ans que je ne suis pas allé en voyage en Côte d'Ivoire. Bref, donc en gros, si vous voulez commander
commander, si vous voulez pas, si c'est juste pour se moquer, eh ben, moquez-vous vous-même, parce que pour l'instant, c'est pas vous qui le faites. Voilà. Au moins, j'ai quelque chose que je fais par moi-même, que c'est moi qui ai des idées, j'essaye de trouver une idée, après j'ai dit, tiens, ça c'est pas bien, ça c'est pas... J'ai pris mon premier dessin qui me plaisait pas, j'ai pris mon deuxième dessin qui me plaît, mais voilà, il y a quelque chose qui me manque, et j'ai mis la définition soirée de fou. Pourquoi? Parce que j'ai une page Facebook de soirée de fou. Vous pouvez commander aussi, vous pouvez m'appeler sur soirée de fou aussi, que voilà. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même, parce que franchement, c'est quelque chose que je vous le signale, parce que c'est important. J'essaie de faire, de préparer des trucs pour gagner de l'argent de l'autre côté. Voilà, j'essaie de gagner un peu d'argent, tout ça. C'est très très important de gagner de l'argent, même si tu travailles pas, même si tu fais pas d'animation, c'est important. C'est très important de faire des animations quand on n'en a pas, et ben de trouver un petit job, donc un petit truc pour faire gagner de l'argent, même si la société ne tourne pas. C'est comme ça que ça fonctionne normalement, mais il y en a d'autres qui rament, qui ne comprennent pas que dans la vie, il faut faire le maximum pour montrer que tu es motivé à ta société. C'est comme ça, c'est... Voilà. Moi, je suis motivé à ma société, mais ce qui me décourage, c'est que les banques, c'est une fermeture, fermeture, fermeture. C'est juste ça qui me décourage, mais... Je suis quand même là en train de vous parler de mon association. Donc, c'est pas une société, mais c'est une association, mais c'est tout comme. Hein. Quand j'étais au rendez-vous du Société Générale, on nous a parlé des sociétés qui fermaient les portes. Et beaucoup d'associations fermaient les portes. Ils ont fermé pas mal de portes, surtout les associations musicales. Donc, tout ce qui est événement. Il y en a des tonnes qui sont en fermeture. Je parle de la région de Mantes, hein. Je ne parle pas des autres coins. Moi, je parle de ma région. Et dans ma région, les banques de Dise le confirment qu'il faut à tout prix que toutes les associations, bah, ils essayent de trouver un système pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mon truc, j'ai eu l'idée, voilà, j'ai dit pourquoi pas vendre des trucs. Bien sûr, on va essayer de travailler, entre guillemets, avec les magasins pour essayer de les vendre, parce que c'est quand même, on ne va pas faire tout par nous-mêmes. Je ne suis pas dans un local, je suis dans mon appartement. Vous imaginez, si j'arrive à avoir pas mal de choses à commander, je ne sais pas où je vais le mettre ça, moi. Déjà la cave pourra plus mettre parce qu'il n'y aura plus de place, en plus on pourra plus ranger, donc ça sert à rien, et voilà. Et nous, il faut que tout soit correct, il faut qu'on a, un système bien correct, hein, parce qu'il faut le dire. Donc on va faire des pulls, des t-shirts, il y aura aussi peut-être des manteaux. Je ne peux pas vous dire les tarifs, je ne les ai pas encore testés. Tout ça, là, c'est des essais. Vous savez, avant de démarrer un croquis, avant de démarrer quelque chose, il faut faire un croquis. Et quand vous faites un croquis, c'est premier, c'est la lettre de le démarrage de l'affaire. Ça dit, si le croquis ne te plaît pas, tu vas recommencer ce croquis, tu vas en faire un deuxième croquis, tu vas faire un troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu veux, à la pointure que tu veux. Et après, c'est là que tu peux commander 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors la prochaine fois que je vais faire quelque chose, je mettrai toutes les pointures, voilà, toutes les tailles, pas les pointures, les tailles, toutes les tailles. Et à partir de là, si quelqu'un veut un S, ben, ce sera bien, il y aura déjà un S. Si quelqu'un aura L, il prendra un L. S'il prend un M, s'il prend un M. S'il prend un XL, il prendra un XL, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça a fonctionné, parce que là, pour l'instant, j'ai démarré tout avec la KXL, XXL. Ben, les essais, c'était des XXL. Voilà. Les essais, c'était des XXL. Et la taille officielle, c'est du XL. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du XL. Donc XL pour femme, XL pour homme. Donc il faut penser un peu à tout le monde, il faut penser, voilà, il faut penser à tous. Et un t-shirt, qu'il soit t-shirt féminin, masculin, faut le dire, c'est que c'est un t-shirt. Voilà, point barre. Et donc, voilà. Alors, les t-shirts, ils sont à 15€. Et les pulls,
Ils sont à 40 euros. Je dis que je perdrai sur les t-shirts. Pourquoi? Parce qu'un t-shirt, déjà de Adidas, quand tu vas dans un commerce, c'est 14, 12 euros, 25 euros, etc. Ça dépend le type du t-shirt, comment il est, est-ce qu'il est fin, est-ce qu'il est pas fin, etc. Tout ça joue. C'est la construction, comment ça a été fait, le tissu, comment il est fait. Si le tissu il est hyper léger, il faut vous dire que c'est un t-shirt qui va être entre 10 à 12, 15 euros. Si c'est des t-shirts très, très costauds comme Lacoste, là, tu vas t'attendre avec un 50 à 100 euros. Je peux vous le dire, là, je parle de Lacoste. Là, que moi, c'est un truc hyper léger. Hein. Ça, c'est un truc hyper léger. Ça vaut rien du tout. Donc, comme ça vaut rien, moi, je peux pas vous le vendre à 30 euros. C'est pas possible. Chez moi, c'est pas possible. 30 euros, ça fait l'équivalent d'un Puma et d'un Adidas. Vous voyez? Donc, je dis 15 euros. Je suis perdant dans ce genre de système, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai ce qu'il faut, tout simplement. Alors, je vous remercie. Hein, Vous pouvez faire un petit commentaire sympa. Je parle pour ceux qui sont sympas, parce qu'il y en a qui sont nuls. Hier, j'étais en train de faire une vidéo en live, mais j'ai reçu un coup de téléphone. Donc, la vidéo, pour la supprimer, il faut que je vais sur mon ordi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Prochaine fois, il y aura des photos sur YouTube, des vêtements que je vais porter moi-même. Voilà. Je vais demander à ma nana de balle là, de me faire les photos, parce que je ne pourrais pas me photographier tout seul. Il faut vraiment que ce soit bien fait, parce que je ne peux pas me déplacer, recadrer, replacer. Non, il faut quelqu'un qui est là pour faire tout le reste. Parce que même si c'est en automatique, il faut vraiment que vous avez de l'œil. Important, c'est important de cadrage, comment elle a la photo, tout ça, il faut vous montrer. Voilà. Donc, je ferai des photos, et avec ces photos-là, je vous ferai présenter tout simplement les vêtements, faire mesure. On verra, il y aura peut-être des pantalons, je ne sais pas. Mais cette petite marque, il faut qu'elle commence à s'exploiter, parce que cette association a besoin d'argent. Voilà, pour vous dire. Avant que je termine, si vous voulez donner un don, vraiment un don, à l'association, moi, ce que je vous donne un conseil, même que je n'ai pas de compte bancaire, si vous voulez donner un don, vous pouvez donner un don, vous pouvez m'envoyer un chèque ou non de l'association Digitony 78, tout simplement m'envoyer un chèque, qui est pas plus simple. Je mettrai ce chèque, je ne l'encaisserai pas tant que je n'ai pas la totalité de chèques. Comme ça, moi, je présente tous les chèques à la banque. Comme ça, moi, il n'y aura pas un refus. Parce que je crois que ce n'est pas avec 200 euros qu'ils veulent ouvrir notre compte. Voilà. À mon avis, il faut qu'il y ait un pactole d'argent de l'autre côté pour qu'on puisse tourne, et après à partir de là, si vous voulez être adhéré à mon association, il n'y a pas de souci non plus. Vous nous faites une information, on vous enregistre, etc. Bien sûr, pièce d'identité, etc. C'est très important tout ça, pour qu'on puisse faire le nécessaire. Pour être adhérent, c'est important, c'est important pour gagner un peu de sous à l'association, parce que c'est vraiment très important. Il faut que cette association soit ouverte au moins, si c'est possible, pour 2022, ce sera possible, pour qu'on puisse faire une grande démarche, pour que l'établissement ESAT soit ouvert. Voilà. Je vous fais des gros bisous, et désolé pour durer plus longtemps que prévu sur la vidéo. Bye.